Eh bien, Billy est avec vous. Je dirais comme d'habitude, pour beaucoup d'entre vous, je vous salue. Et nous allons donc achever ces entretiens de votre mois de mai, toujours avec ce que vous avez à dire, ce qui a été vécu, ce que vous vivez. Je t'écoute. Donc c'est un témoignage d'une sœur qui n'est pas présente. Jusqu'à maintenant, les appels de la lumière et les injonctions de la lumière se vivaient en extase expansion ou en disparition. Depuis 3-4 jours, je ne vis plus les disparitions et bien présente dans le corps ici même, percevant le cœur parfois en expansion, parfois en contraction, mais toujours avec ce feu, cette joie et cette paix. Lors de la deuxième impulsion eucharistie entre 14h et 15h, alors que celle-ci n'était pas terminée, j'ai senti le besoin de me lever, n'arrivant plus à rester allongée. Je suis partie m'asseoir dehors. Là, j'ai fermé les yeux et spontanément, tout à coup, je me retrouve dans le cœur du cœur. Je ne saurais dire si c'est moi qui ai porté mon attention sur le cœur du cœur ou si c'est celui-ci qui s'est présenté de lui-même spontanément. Alors que j'avais senti tout à l'heure allongée une compression au niveau du cœur, je sentais là à nouveau l'expansion. J'entendais les oiseaux chanter, je sentais le soleil briller, le vent me traversait, tout devenait d'une intense présence et j'accueillais chacun en le cœur, même les bruits, notamment le bruit de la voisine qui tondait sa pelouse juste à côté. Rien ne venait perturber cette plénitude, cet amour. J'avais la sensation que cet amour englobait tout. Il m'a été donné de voir à ce moment-là l'implication des actes, des choix dans le collectif. Je constate alors qu'il n'y a aucun sentiment de culpabilité, mais plutôt un sourire, et toujours cet amour qui est là. Et là, je réalise que la responsabilité n'est plus ou pas de l'ordre de l'enfermement, mais bel et bien dans l'émanation de cet amour, dans sa révélation. J'ai réalisé à ce moment-là que l'extérieur était comme l'intérieur et l'intérieur comme l'extérieur. En fait, il n'y avait ni intérieur ni extérieur. L'amour qui émanait remplissait et même recouvrait l'ensemble. En fait, il n'y avait plus rien d'autre que cet amour. Je réalise alors que cet amour n'est en vérité que moi-même et qu'enfin, longtemps resté caché, intériorisé, il se vit aujourd'hui librement, sans crainte, sans limite, se révélant de lui-même à lui-même. Je vis cette reconnaissance totale en cet amour et comme vous me l'aviez dit lors d'une lecture, rien ne peut plus dévier d'un angle ce que je suis. Je reste alors dans cet état de plénitude d'amour et je ressens ce silence qui s'installe dans ce corps, dans cet espace, ici même, sur ce monde. Grâce à toi, Bidi, grâce aux frères et sœurs, où qu'ils soient, grâce à moi-même, grâce à chacun en le tout que nous sommes. Fin du témoignage. Eh bien, il n'y a rien à rajouter! C'est l'illustration parfaite de ce que je vous disais hier. La conscience nue peut se manifester nue en dehors de tout monde et que même si c'est vécu en dehors de tout monde, l'accès à cela doit se faire dans la chair. Et donc la conscience nue est présente à travers le corps. Ce que nous a décrit cet être de lumière, c'est exactement le témoignage que vous avez donné, frère K, du moment de sa résurrection, après la mort de son frère. C'est le moment où il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, où l'amour se déploie, où vous n'êtes ni dedans ni dehors, mais de partout, à travers ce corps. La résurrection ici est achevée. L'ascension peut se produire,
sans aucune difficulté, et il en sera de même pour chacun de vous, quelles que soient vos opportunités de servir en conscience nue au-delà de ce corps, il est temps à un moment donné aussi de demeurer dans ce sac afin d'y vivre l'alchimie finale. Le témoignage qui a été donné, vous allez en avoir par milliers, chaque jour, par millions. C'est ça. Bien sûr, cela est parfois accompagné en conscience nue, en dehors de ce corps ou même dans ce corps, par des mécanismes de vision de lumière pure qui vous élèvent dans le face-à-face avec vous-même, non plus ici mais en l'éternité, en présence de Christ, Marie et Michaël, réalisant ainsi la nouvelle Eucharistie. Il me semble que aujourd'hui, particulièrement en ce qui a été entrepris par le collectif en voie de résurrection ou en résurrection, a largement permis de réveiller celle qui devait l'être. Mais ici, nous sommes dans un processus où, contrairement à ce que vous réalisez en conscience nue sur les éléments, qui, comme vous l'avez constaté de partout sur Terre, est de plus en plus immédiat, il y a ici un temps que je nommerai d'accouchement qui correspond à 24 à 48 heures de votre temps. Ceci dit, vous n'avez pas à chercher la personne, l'important étant qu'elle-même se reconnaisse, mais n'ayant pas à apparaître indépendamment de son appel. Et après la stase, ne cherchez donc pas le personnage, même s'il y a des images, gardez cela en votre cœur, le temps que cela soit révélé par elle-même à l'ensemble du collectif. Vous êtes de plus en plus nombreux à vivre ce qui a été écrit dans ce dernier témoignage, au-delà de tout monde, au-delà de ce sac, et au-delà même de toute énergie, de toute conscience, de toute vibration. C'est la réalité de l'ascension réalisée par l'Eucharistie qui vous donne à vivre cela. Tout est accompli, même en ce plan de la terre. Seuls les derniers événements de la terre comme du ciel se jouent en ce moment même et vont vous amener naturellement à vous positionner dans la joie, sans effort, sans difficulté, et surtout, comme dans ce témoignage, sans personne. Je rends grâce à ce témoignage qui correspond, quels que soient les mots, à ce qui se vit en vous. Dorénavant, les ultimes engrammes collectifs résultant de l'histoire, concernant essentiellement non plus les peurs, mais les culpabilités, ou je dirais quelque part la difficulté de réveil, tant ce monde était dense, peut encore vous ralentir. Mais dès l'instant où réellement et concrètement, vous acceptez d'accueillir et de disparaître en le cœur de chacun, comme de recevoir le cœur de chacun, alors il n'y a ni distance, ni temps, ni espace, et vous pouvez donc sortir de l'illusion au moment où Marie vous appellera. Vous avez juste, en ces jours, autant que faire se peut, privilégier le silence, privilégier la nature. Vous n'êtes pas obligé, comme ce témoignage vous le démontre, dorénavant, de demeurer dans l'immobilité la plus stricte, dans la mesure où la matrice christique est dorénavant complétée par l'intermédiaire de l'Eucharistie et le réveil de Marie.
Je vous mets en garde concernant toute identification qui serait affichée sur vos moyens de communication concernant une personne qui ne serait qu'une falsification de plus. Ne tombez pas dans le piège de l'identification, demeurez dans cette vacuité, cet amour, qui que vous ayez été, qui que vous soyez, et qui que vous deveniez dans ce scénario de scène finale. Laissez la fluidité de la vie gérer tout ce qu'il se produit, au-delà même de nos rendez-vous, avec moi ou avec l'acolyte, ou avec Marie, ou avec l'amour, ou avec n'importe quel être de lumière, mais aussi à partir d'aujourd'hui, quel que soit le frère ou la sœur, vivant sa résurrection et sa finalité, est tout à fait capable de réaliser la même chose que j'ai réalisée dans nos rendez-vous, comme le fait l'acolyte. Il n'y a pas de différence entre lui, entre moi et chacun de vous. De toute façon, vous ne risquez rien, car dès que vous accueillez, il existe un mécanisme où le cœur se remplit jusqu'aux limites de ce qu'il peut accepter. Vous n'avez pas à décider. L'amplitude de votre expansion et de votre contraction ou compression ne dépend pas de vous, mais du rythme de la lumière et de l'amour. N'hésitez pas, vous êtes invités à vous donner la grâce et le pardon, non plus par des mécanismes extérieurs, comme cela fut vécu depuis de nombreuses années, mais chacun en vous de la même façon, au sein de la conscience nue, au travers de ce corps, et au-delà de toute image, au-delà de toute fonction, de toute forme, et de quoi que ce soit, même si cela arrive, l'essentiel n'est pas cela, mais la résultante, c'est-à-dire la liberté, l'amour libre et la vérité. Il n'existe d'autres freins ou d'autres barrières que votre pourcentage, bien que je n'aime pas l'exprimer ainsi, d'éternité face à l'éphémère. Une fois que la proportion d'éternité en vous, dans le déroulé de vos journées, dans le déroulé de vos moments dits intérieurs, sera prépondérant en intensité et en durée au regard de l'éphémère, vous basculerez dans la finalité de la résurrection de façon immédiate. Et plus les heures vont passer, plus le réveil de Marie se fera, plus cela sera vivant en vous. Je vous rappelle que quelles que soient les formes et les traits en lumière ou en chair que vous vivez dans ces moments-là, vous avez à témoigner de vous-même et non pas à identifier qui que ce soit. Car je vous le rappelle, la scène finale va voir la disparition de tous les personnages, de toutes les histoires appartenant à l'illusion. Ne figez rien, soyez libre, soyez fluide, soyez autonome, soyez responsable, soyez humble, soyez vrai, soyez ce que vous êtes et rien d'autre. Néanmoins, comme vous le constatez, les mécanismes simultanés et synchrones entre les événements du ciel et de la terre, comme vos événements intérieurs, sont parfaitement en résonance et en éclairage mutuel. Ne cherchez rien à voir, laissez la conscience nue œuvrer par la grâce et l'intelligence que vous êtes, là où il n'y a plus personne pour décider, pour diriger, et où seule l'intelligence de la lumière entre en action de grâce, en état de grâce, et vient éclairer ce qui est utile et nécessaire pour chacun d'entre vous.
Tu peux continuer. Témoignage d'une sœur qui n'est pas présente. Réveillée à 4 heures du matin, je me suis levée avec l'intention d'écouter Bidi. Mais je suis seulement restée alignée, en silence, pendant une petite demi-heure. Soudain, je me lève et sors dans le jardin. Il fait nuit et là, j'aperçois la porte du garage ouverte alors que j'étais sûre de l'avoir fermée la veille au soir. J'entre et vois au fond du garage une lampe de poche qui oscille dans le noir et une silhouette derrière. J'allume alors la lumière et là, je vois un homme que je ne connais pas. Très calme, je lui dis « Bonjour monsieur, qui êtes-vous » Pas de réponse. Je n'avais aucune peur, plus de mental, j'ai juste pensé « Maintenant, tout peut arriver ». Il ne bougeait pas. C'est alors que j'ai regardé dans les yeux avec bienveillance, longuement, et c'est amour qui a occupé tout l'espace. La chaleur a traversé mon corps quelques instants. Il a baissé la tête et a commencé à avancer vers moi pour sortir. Comme j'étais en plein milieu de la porte, je l'ai laissé passer sans le suivre. Entre parenthèses, il avait escaladé le mur et je suis rentrée dans la maison. C'est alors que je me suis dit, il avait peut-être faim, j'aurais pu lui proposer à manger. Et j'ai ri de cette scène improbable et pourtant vécue telle qu'elle. Fin du témoignage. Je te remercie de ce qui s'est déroulé et que tu as décrit au cours de cette scène. Tu t'es vu en l'autre, il s'est vu en toi, sans mots et en silence, et il n'est pas allé au bout de sa besogne. Et cela s'est passé, comme tu le dis, dans l'amour. Que vous faut-il de plus? Votre vie devient cela en permanence à la surface de ce monde, quels que soient les événements collectifs matériels. Je vous l'avais dit, plus le chaos grandit, plus l'amour se voit et se vit. C'est la résultante normale de la résurrection. À chaque vague dorénavant, à chaque rendez-vous organisé par le Comos ou par la Terre en leurs événements, comme par nos rencontres en différents lieux et en différents espaces et temps, chacun de ces événements et de rencontres augmente le potentiel pour chaque frère et sœur de la terre de vivre sa résurrection. Chaque heure qui passe avant que l'événement ne survienne doit être employée à libérer la charge de l'ensemble de la terre afin qu'un brasier d'amour survienne pour l'ensemble de l'humanité le moment venu. C'est votre seule tâche, elle est évidente et il ne pourra pas en être autrement, quoi que vous en pensiez. Quoi que vous en disiez, au sein du personnage. Comme cela a été dit et annoncé, vous n'êtes plus votre vie, mais vous êtes la vie. En as-tu d'autres? Oui. Vous voyez l'affinage des témoignages, du vécu? Donc témoignage d'une autre sœur. Qui n'est pas présente. Je ne sais plus si c'était lors d'une fusion ou en vous écoutant, il m'est apparu dans la lumière un cône noir de gauche à droite. Celui-ci s'est alors tourné me faisant face, et là, j'ai vu un cercle immense noir autour était la lumière. J'ai senti alors le vide et une plénitude totale. Fin du témoignage. Concis et précis. Simple, dépouillé, sans ornement, sans décor, la vérité nue. Tu peux continuer. Témoignage d'une sœur présente. Bonjour Bidi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais. Merci pour m'avoir ébranlé hier. J'ai réalisé que ce qui me fait penser que je n'y arrivais jamais, cela vient du passé. Si je me place dans l'instant présent, cela n'existe plus. Ce matin, je suis allée communier avec la nature,
avec un champ de céréales parsemé de coquelicots. J'ai remercié la terre. Puis le mot « fin » s'est inscrit en lettres majuscules sur le champ. Sur le chemin du retour vers le gîte, je pleurais de joie. Rentrant dans ma chambre pour l'alignement de 11 heures, j'ai vu ma personne sous la forme d'un jouet mécanique que l'on remonte avec une clé. Ce jouet avait l'apparence d'un petit bonhomme tout raide, tout droit, habillé de rouge et noir, qui terminait sa marche saccadée. La marche s'arrêtait d'elle-même, le mécanisme était arrivé en fin d'usage. Merci Bidi, à toujours. Fin du témoignage. Merci. Ça n'appelle pas de commentaires, vous le voyez par vous-même, vous les entendez, et ils vont devenir importants, en nombre de plus en plus extensif. Voilà pourquoi déjà depuis de nombreux mois, je vous encourageais à témoigner, mais non pas de vous-même. Quand vous parlez de vous là, vous parlez de la lumière et de rien d'autre, de l'amour. Avec différentes formes d'expression, avec ou sans image, avec ou sans histoire, c'est la même chose. Continue. Il n'y a plus de témoignages écrits. Alors parmi les frères et sœurs présents, qui veut parler, qui veut exprimer, en particulier la dernière fusion, la bénédiction de l'amour, et le réveil de Marie. Oui. Donc moi, je me suis mise dans le cœur de votre acolyte. Je me suis mise dans le cœur de votre acolyte. J'étais aspirée. J'ai été aspirée. Et ensuite, j'ai senti que je partais, je ne sais pas où, parce que j'ai disparu. Et vraiment, c'était très difficile de revenir. Ensuite, j'ai senti que je partais, je ne sais pas où, j'ai disparu. C'était très difficile de revenir. Et puis, c'est tout, parce qu'il n'y a rien à dire. Et puis, c'est tout, parce qu'il n'y a rien à dire. Merci. Le mot que tu décris, aspiration, est tout à fait vrai. Celui qui est ressuscité, dès l'instant où vous pensez à lui, il vous aspire. Littéralement. Alors après que vous ayez des visions, que vous disparaissiez, ou que vous vous rappeliez le processus, n'a aucune importance. Ce qui est important maintenant, c'est le résultat. Et comme je l'ai dit, tous ceux d'entre vous qui finalisent leur résurrection peuvent entreprendre exactement la même demande et accueillir sans aucune difficulté. Vous ne risquez rien. Rappelez-vous, l'enfermement dans ce monde, au-delà de la souffrance et de la culpabilité et de l'illusion, a surtout consisté à vous faire identifier à votre corps, à votre vie et à rien d'autre. Venant alors par programmation renforcer l'oubli, renforcer l'ego et tout ce qui est lié, consciemment ou inconsciemment, à l'action de la lumière, à son opposition à la lumière. Voilà pourquoi il a fallu une si longue histoire pour mettre fin à l'histoire. Cela a pris, vous vous en doutez, un certain temps, et le temps s'achève ainsi. D'ailleurs, dans un autre témoignage, dans le chant de Coquelicot, l'œuvre au rouge, c'est la fin, fin de la matière, mise en œuvre du feu céleste, en vous, le feu de l'amour et le feu de la terre, que vous voyez partout, et que vous verrez de plus en plus, en vous comme autour de vous et sur le monde. C'est un brasier d'amour, seul l'ego
Il voit la mort. Il voit autre chose que lui-même, qu'il ne connaît pas encore. Qui peut résister, une fois qu'il le connaît, à ce que vous vivez, à cette disparition de la personne, où la barrière entre l'intérieur et l'extérieur n'existe plus, et où tout est vivant, et tout est vous, ici comme dans les autres plans. Vous le vivez. C'est réel, c'est la seule réalité. Tout le reste passera. Même vos images réellement vécues en éternité, il ne restera rien d'autre que la totalité et le rien, c'est-à-dire l'amour sur ce monde. De quoi pouvez-vous avoir besoin quand vous vous redécouvrez que le serment et la promesse est vécu et que cet amour-là irradie au travers de vous? Vous savez très bien, pour ceux qui le vivent déjà, que vous n'avez plus jamais soif, que vous ne souffrirez plus jamais, que vous n'aurez aucun deuil à faire le moment venu. Vous êtes libre à travers de ce corps. C'est la réalité de vos témoignages, la réalité de vos vécus. Le reste n'est rien. Et tous ceux, parmi les frères et les sœurs de la terre qui le vivent, peuvent affirmer avec évidence qu'il y a avant et après la résurrection. C'est ce qui avait été appelé et très mal interprété et dévié, et que vous nommiez dans la tradition catholique, occidentale ou orthodoxe, la résurrection des morts. Alors que eux attendaient que des cercueils tout pourris reforment des corps. Mais vous n'en avez pas besoin, vous êtes vivant. Alors que vous étiez mort. Passer de mort à vie, dans le même corps, ça s'appelle comment? La résurrection, l'évidence, la vérité. Il n'y a rien d'autre. Nous continuons à écouter. Ce témoignage concerne l'instant consacré au réveil de Marie. Ce témoignage concerne l'instant consacré au réveil de Marie. Dès le début, tout mon corps a été dans une vibration de la tête aux pieds, les couronnes concernées, enfin la petite couronne concernée. Dès le début, tout mon corps a été dans une vibration intense de la tête aux pieds et toutes les couronnes. C'était une vibration très très fine. C'était une vibration très fine. Qui ne s'est d'ailleurs pas arrêtée depuis. Qui ne s'est d'ailleurs pas arrêtée depuis. Mon cœur a commencé à être compressé, mais légèrement. Mon cœur a commencé à être compressé, mais légèrement. Et puis, je me suis sentie dans un état d'offrande. En fait, tout mon être était l'offrande. Et je me suis sentie dans un état d'offrande. Tout mon être était l'offrande. Et j'avais conscience que je participais à ce qui se passe actuellement, mais... Je ne sais pas comment dire. Et j'avais conscience que je participais à ce qui passait, à ce qui se passe en ce moment, à l'accomplissement. J'ai du mal à trouver les termes, les mots. Voilà. Et cet état d'offrande s'est propagé à l'univers entier. J'étais l'univers entier, mais l'univers était l'offrande. Cet état s'est propagé à l'univers entier. J'étais l'univers entier, mais cet univers entier était l'offrande. Et j'ai commencé à ressentir doucement que j'allais retrouver progressivement cet état que j'avais vécu en 1984, où j'étais une jouissance totale. J'ai commencé à ressentir que j'allais retrouver cet état que j'avais ressenti en 1984, où j'étais en jouissance totale.
Voilà. Et je me sens toujours dans une ouverture avec une notion intérieure, mais c'est difficile à expliquer, comme si j'étais ouverte pour le processus j'ai du mal à l'expliquer. En fait, je me sens ouverte et disponible pour tout ce qui vient dans un total service. Et maintenant, je me sens toujours disponible et ouverte pour tout ce qui peut arriver, tout ce qui vient, dans un état total de service. Les mots sont difficiles à trouver. Voilà. Grâce ! Que veux-tu que je dise d'autre ? Vous êtes en train de passer d'un phénomène strictement individuel au phénomène collectif tout seul. Rendez-vous compte. Et en fonction de ce que vous a dit l'acolyte, plus vous vous réveillez, plus vous vivez la vérité, plus effectivement vous précipitez le tout en accélérant le temps, en sortant aussi bien l'appel de Marie que la fusion du ciel et de la terre, que les événements célestes et terrestres dans leur finalité. Plus vous serez comme cela, en y demeurant sans effort et spontanément, et je dois dire d'ailleurs que même si au décours de la vie éphémère, les contrariétés usuelles se manifestent, elles ne pourront plus jamais reprendre le dessus. Contrairement à ce que tu as vécu, tu l'as dit, durant l'année 1984. Je te rappelle que cette année-là est la première descente de ce qui fut nommé l'Esprit Saint, le rayon bleu de Sirius, qui a permis à ce moment-là, et même avant, chez d'innombrables frères et sœurs, d'avoir vécu un état marquant en eux au fer rouge ce qui était à vivre le moment venu. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ces 30 années, ou plus ou moins, ont parfois été difficiles à assumer, mais aujourd'hui, vous en vivez, je dirais, non pas la récompense, mais le retour naturel. Alors, je vous félicite pour votre ténacité, pour cette volonté de tension vers l'abandon à la lumière, qui trouve aujourd'hui tous ses fruits. Je te remercie. Nous en avons d'autres ? Oui. Oui, alors c'est le témoignage de cet après-midi au rendez-vous. C'est le témoignage de ce qui s'est passé cet après-midi. Dans la deuxième partie, la seconde heure. Dans la deuxième partie, la seconde heure. Il y avait effectivement une séparation au milieu. Certains l'ont repéré. J'ai senti soudain que je me trouvais dans une chute, dans une colonne de feu. La chute était vertigineuse, elle a duré très longtemps. J'avais cette sensation de vertige qui me faisait crier, mais je me sentais bien. Et ça a duré longtemps, longtemps. J'avais le cœur qui était... Je sentais une chaleur dans le cœur. Et puis finalement, la chute a terminé d'une façon assez bizarre. Je me suis retrouvée dans une sorte de prairie ou grange avec des poulets. Et puis il y avait l'acolyte qui courait en train de chercher une femme. Et il l'appelait par son prénom. Il y avait votre acolyte qui courait et qui cherchait une femme et en l'appelant par son prénom. Et voilà, et je suis revenue à moi, j'avais beaucoup de palpitations.
Et je suis revenue à moi avec beaucoup de palpitations. Je l'ai vécu, je ne l'avais pas vécu. J'ai vraiment le sentiment, la sensation physique de l'avoir vécu. Mais ça a été vécu! Simplement, l'image, la représentation ne se fait qu'à partir de ton cerveau, de tes expériences passées. Et donc, parfois, de la même façon que vous pouvez voir une colombe, parfois ça sera un aigle, parfois ça sera n'importe quel autre type d'oiseau. Mais ce sont des représentations de l'archétype au niveau des mondes libres. L'important, et tu l'as dit, et vous l'aurez dans tous les témoignages, au retour, c'est la perception claire et nette du décalage au niveau du rythme cardiaque, parce que ce qui est vécu en conscience nue ou dans le corps d'éternité n'a pas le même cœur. Et cela a été dit, le mécanisme d'élévation du cœur organe est réel. Mais rassurez-vous, au bout de 3 ou 4 états comme cela, vous serez parfaitement acclimaté, vous n'aurez plus besoin de bouger, vous n'aurez plus besoin de profiter des moments de fusion ou autre, cela sera votre quotidien. Donc ne reste pas attaché au poulet et aux poules. On se demande bien ce que faisait la colite là-dedans. Encore une fois. Mais ça n'a aussi aucune importance. Ça doit être des vieux souvenirs qui remontent. De courir après les poules. Et une poule n'est pas un aigle. Au-delà de l'anecdote, peu importe pour toi. Le résultat est là. Le cœur, organe, n'est plus perçu comme avant. Vous avez pris le contrôle aussi de votre cœur, organe, comme le contrôle de votre cerveau, par l'onction du Seigneur, qui a permis aux 12 étoiles de se réaligner sur l'avant du front et d'entrer en fonction. C'est ça l'onction du Seigneur. Saint Jean l'avait dit, ils seront marqués au front et appelés un à un pour le face à face avec eux-mêmes. Le serment et la promesse, c'est cela. Avant même de fusionner avec la matrice christique, le Christ ou l'un de ses représentants. Puisque l'acolyte et tous ceux qui vivent la conscience nue sont des Christ, pas plus, pas moins. Les fils ardents du soleil. Vous voyez la connotation de feu dans tout ce qui est vécu. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui se baladent en conscience nue, vous voyez bien que partout où vous passez, il se passe quelque chose au niveau de la matière. Vous ne l'inventez pas. C'est vous qui le créez. Et c'est comme ça que vous prenez votre part à l'interface de l'éphémère et de l'éternel, en vivant cet amour nu, même en demeurant dans ce corps, que tout se transforme en vous et autour de vous. C'est inéluctable, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus puissant, et de plus en plus évident. Comme je l'ai dit, vous êtes innombrables maintenant à me voir, à me parler, à sourire avec moi. Mais que ça soit moi, l'acolyte, le Christ, Marie, Michael, un frère ou une sœur qui vit sa résurrection, il n'y a strictement aucune différence. Donc, comme je le dis, laissez tomber le décor. Mais plongez-vous dans cet amour nu. Quelle que soit l'intensité de certains témoignages et certaines chutes, on va dire, qui ne sont que des reliquats concernant l'acolyte ou moi, hein, ou n'importe qui.
Mais l'important n'est pas là. Je veux dire simplement par là que vous n'êtes même pas une des images, une des scènes que vous voyez, que vous vivez. Vous mettez simplement fin à toutes les illusions de croire en un sauveur, de croire en quoi que ce soit. Vous réalisez votre autonomie totale. Et là, la fainéantise doit être une fainéantise de l'esprit, une fainéantise de la conscience nue qui vous amènera, que cela soit à travers le corps ou en dehors du corps, de constater que tout est parfait, que tout se déroule à la perfection et ne nécessite aucune intervention de la personne, et que l'intelligence de la lumière organise tout. Vous êtes aussi l'intelligence de la lumière. Dans très peu de temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, tout ce qui avait été caché sans aucune exception concernant en priorité qui vous êtes et surtout de vous donner à voir, comme ça a été le cas avec le pantin tout à l'heure avec sa clé, que tout ceci, comme je l'ai hurlé pendant des années avec vous de mon vivant, est une arnaque totale, comme la spiritualité. Aujourd'hui, c'est différent, parce que vous vivez l'esprit de vérité, le paraclet, vous vivez le Christ, vous vivez la disparition de l'anomalie primaire. Alors là, oui, les images que vous allez voir sont tout à fait réelles. Elles n'ont rien à voir avec l'imaginaire, rien à voir avec des fantasmes. Ce que je dis simplement, c'est que vous ne devez pas vous y attacher non plus. Le réveil de Marie n'est pas le réveil d'une personne qui va venir vous dire « je suis Marie ». C'est le réveil de sa connexion à elle-même au sein de l'histoire qui permet de mettre fin à l'histoire par l'appel de Marie. Donc maintenant on peut dire que tout est entre son cœur et que son cœur répondra d'autant plus que vous-même vivez cette résurrection. Puisque c'est vous qui l'avez réveillé. D'autres, chose à dire, à témoigner, à demander. Ce matin, j'étais en conversation intime avec toi. Ce matin, j'étais en conversation intime avec toi. Et je disais qu'il était difficile de fusionner réellement dans le cœur, dans cet amour nu, lorsqu'il n'y a pas d'affinité avec un frère ou une sœur. Et je disais qu'il était difficile de fusionner dans le cœur en amour nu avec des frères et sœurs avec qui on n'a pas d'affinité. Et tu m'as répondu, c'est très simple. C'est moi qui, tu vas me placer dans ton cœur. Et c'est moi qui vais le faire, tu vas voir, c'est facile. Et tu vas même pouvoir absorber l'humanité entière et l'univers entier. Mais bien sûr, la colline vous l'a dit, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc j'ai bien ressenti. Tout à fait. Donc j'ai bien ressenti ta présence dans mon cœur et ça s'est fait en effet sans qu'il y ait aucun obstacle. Donc j'ai bien ressenti ta présence dans mon cœur et effectivement ça s'est fait sans qu'il n'y ait aucun obstacle. Tout à fait. Ce que tu exprimais au début, cette difficulté, résulte de la présence encore un peu de la personne. Mais si vous allez au-delà de la personne, vous allez trouver quoi dans l'autre? Vous? Le Christ, Bidi, Bibi,
Marie, je suis toi, comme tu es moi. Dès que tu deviens moi, tu es l'ensemble de l'univers. Dès que tu rentres en moi, tu deviens la totalité de ce que tu es. C'est on ne peut plus simple. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste découle de là. Dès que vous acceptez par le sacrifice, par l'abandon, par l'accueil, que n'importe quel autre est en vous, il est en vous, et vous êtes en lui. Et bien sûr, si cela vous semble difficile, comme je viens de le dire, c'est qu'il y a encore des éléments de l'histoire au-devant de ce que tu es. Mais en faisant comme je te l'ai dit, c'est-à-dire en venant en moi ou en m'accueillant en ton cœur, dans le même temps, au travers de notre présence une, tu peux effectivement réaliser la même chose avec celui avec lequel il y avait des antipathies. Donc, ce processus que tu décris, quand il vous semble que cela est difficile, passez par moi, passez par l'acolyte, passez par les grands êtres, et ensuite, au travers de cette transparence qui s'est installée en vous, vous accueillerez en vous tout ce qui se présentera. Puisque d'abord, vous vous êtes identifié comme toi ce matin, dans une présence une, et tu vas constater que dorénavant, même les plus antipathiques ont la même place dans ton cœur. Oui. Oui. C'est la vérité. Y en a-t-il d'autres ? Oui, un deuxième témoignage de cette même sœur. Oui, je voulais aussi témoigner que ce matin, à un moment donné, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je voulais aussi témoigner que ce matin, j'ai vécu une expérience extraordinaire à un moment. Avec toi. Avec toi. Les tsunamis étaient à l'œuvre sur la planète avec des vagues gigantesques. Et tu me faisais surfer à la crête de ces vagues. Les tsunamis étaient à l'œuvre sur toute la surface de la planète, hein, avec des vagues énormes. Et tu me faisais surfer sur la crête de ces vagues. Et ressentir que ce n'était que de l'amour. Et ça recouvrait toutes les terres. Et l'amour recouvrait toutes les terres. Et ressentir que ce n'était que de l'amour, que ça recouvrait toutes les terres et que l'amour recouvrait toutes les terres. C'est exactement cela! Je te remercie. Rappelez-vous la phrase qui a tellement été répétée par le commandeur quand il était incarné, et ensuite, ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. C'est exactement ça. Est-ce que le papillon se rappelle qu'il a été chenille? Est-ce que le papillon a le même mode d'action, de vie, au sein de ce monde? Non, bien sûr. C'est ce que vous devenez. Ça se passe en ce moment. Et chaque jour, en plus grand nombre, et chaque jour avec de plus en plus d'évidence, de joie et d'amour. Et de ce fameux inconnu qui maintenant vous est connu. Y en a-t-il d'autres, si nous en avons le temps? Troisième témoignage de cette professeure. Oui, j'avais ce sentiment que je voudrais rajouter, que les eaux d'en haut s'étaient totalement mariées avec les eaux d'en bas. Effectivement, cela a été réalisé par nombre d'entre vous dans ce qui vient de s'écouler,
dans cette bénédiction, dans ce réveil de Marie, vous avez été une multitude. Ce n'est que le début ou la fin. C'est la même chose. Les événements de la terre, quels qu'ils soient, ne sont là que pour vous montrer la pacotille. La vérité n'est pas dans la destruction de l'illusion. La vérité est dans la sortie de l'illusion et de l'éphémère. Vous le constatez vous-même. Alors vous voyez bien que toutes les notions d'évolution, de karma, de règles, de religion, d'obligation, mais ça ne vaut rien devant l'évidence. C'est fini. C'est réellement fini. D'autres ? Oui. Je vais essayer. En début d'après-midi. Je me suis sentie dans mon corps d'être-té. Mais très 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 actif. Avec un centre du cœur. Très dense. Tu as vécu le passage de la conscience dans le corps d'éternité, ou si tu préfères une conscientisation et une mise en service du corps d'éternité, tout en demeurant immobile au cœur du cœur. Et c'est la compression et l'extension ou expansion en même temps, et la simultanéité de ton corps de chair, de ton corps d'éternité et du cœur, là où sort la conscience nue, parfois elle sort par en haut, parfois par l'orteil, mais le plus souvent c'est au niveau du cœur. Donc tu illustres à travers cela le témoignage de l'activation du corps d'éternité, non plus seulement en sa présence, mais en son action, en sa liberté. Tout ça permis parce que tu nommes le point de compression au centre du cœur, au cœur du cœur, qui est le souvenir, le serment et la promesse que tout corps d'éternité porte en lui. Donc vous voyez, il n'y a pas à choisir entre telle dimension et telle dimension. C'est tout d'un coup. Et ce que tu exprimes est aussi la vérité. À un moment donné, la perception du physique, la perception du corps d'éternité et la perception simultanée du cœur réalisent en toi-même la fusion du 3 en 1 au sein de ce simulacre, te donnant à vivre la vérité du 3 en 1 de l'Eucharistie. Et à ce moment-là, tu es tout et rien. Tu as fini, tu as achevé le processus qui est en cours. Alors après, vis la vie. Donc cela est permis. Il y a une suite. Merveilleux, vous avez tous des suites, ça devient de plus en plus riche, c'est parfait. Ce cœur voulait sortir de là, du corps d'être-té, pour se mettre à voler, pour être plus libre encore. Ce cœur voulait sortir de là, du corps d'être-té, pour se mettre à voler, pour être plus libre encore. Ça n'a pas été possible. Alors, dans le ressenti, j'ai ramassé tout ce que je sentais, mais dans le cœur. Voilà. Et ? Ben, ça n'a toujours pas sorti. Tout d'un coup, j'ai abandonné. Et ? Et je me suis vu face à Marie, debout. Et ben voilà, quand vous lâchez tout désir, c'est ce qui se passe. Continue. Ses bras, c'était des ailes étendues en avant, formant un couloir. Et je n'ai fait que... Elle me tend les bras, j'y vais. J'y suis allé, je l'ai embrassée, elle m'a encore accueilli. Et puis, j'étais content. Voilà. Ainsi s'exprime l'enfant intérieur. Il retrouve sa maman.
Oui. Mais au-delà de sa maman, il retrouve la liberté. Et je répète, ne croyez quiconque qui vous dit qu'elle est Marie. Ne vous attendez pas à ce qu'elle se mette avec une robe bleue ou autre. Je vous l'ai dit, et l'acolyte encore plus, c'est l'humilité incarnée. Il faut d'ailleurs toujours la pousser, tellement l'humilité est grande. Alors ne cherchez pas quelqu'un qui va vous dire « Je suis Marie !» Elle ne vous le dira jamais, jusqu'au moment où vous l'entendrez. Et là, vous la verrez réellement, aujourd'hui, dans son corps de chair, que vous la connaissiez ou pas d'ailleurs. Vous la reconnaîtrez immédiatement. Pour l'instant, il existe une latence où Marie est réveillée, bien sûr, là-haut. Et c'est ça que tu as vécu. Mais elle est accessible. Le temps qu'elle sorte de son sommeil. Mais même quand elle sera sortie, bien sûr, la densité et l'intensité de vos vécus et des événements seront, je dirais, quelque part à leur acmé, à leur maximum. Et à ce moment-là, pourra retentir ce qui doit retentir. Et vous êtes dans ces temps-là, ni plus ni moins. Je te remercie. D'autres ? Oui. Donc ce matin, je me suis réveillée après toutes ces effusions, bénédictions, dans un état très paisible, mais avec beaucoup de difficultés à réintégrer ce corps physique et à le mouvoir. Donc je suis restée tranquille, allongée un certain temps. Sans avoir eu l'information que c'était le réveil de Marie aujourd'hui, j'ai pensé à réciter, m'est venue l'idée de réciter cette prière qui nous avait été en son temps donnée, qui commençait par « Je vous salue Marie, qui est grâce ». Et au moment où à mon intérieur j'allais donc lancer cette prière, m'est venu, je te salue mon cœur qui est libre. Alors j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à ces mots-là. Ça m'a fait rire, ça m'a mis en joie. Et comme j'avais arrêté quelque chose par ma surprise, je suis revenue dans ce qui était dit et j'ai laissé couler les mots. Et voici ce qu'il est venu. Je te salue mon cœur qui est libre, tu es béni comme tous les cœurs, et Christ ressuscité est en toi comme en tous. En l'amour nu par le tout et le rien, par le trois en l'un en un se dissout, l'histoire sans fin. Donc ça s'est arrêté là, après j'ai laissé infuser ces mots et j'étais très en joie et je me suis levée. Voilà, fin de ce premier témoignage. Je te remercie, ce sont des très beaux mots qui correspondent à la vérité. Et le deuxième témoignage, depuis tout à l'heure, après le réveil donc de Marie, cette phase-là, j'ai beaucoup de difficultés. En fait, je me sens dissoute, c'est-à-dire que mon corps se meut. Je sais que je suis là, mais je n'ai pas l'impression. C'est comme s'il n'y avait plus de couleur du tout personnelle. Et j'ai un rythme cardiaque qui n'est absolument pas stabilisé. C'est parfait. La fin est proche, comme tu l'as dit. Et l'impression d'irréalité, vous le voyez, concerne dorénavant ce monde, et pas la vérité. Plus vous allez pénétrer les mondes libres, le cœur libre, plus vous allez être obligé de constater que la mort, elle est ici, pas ailleurs. C'est ici que vous êtes mort, en ce corps. La mort change de camp. Il n'y a jamais une mort, sauf de l'illusion. Je te remercie.
En avons-nous d'autres? Parce que cela va être diffusé, et rien que de l'entendre plutôt que de le lire, bien sûr, vous portez le verbe, ceux qui le vivent. Y en a-t-il d'autres? Oui. Est-ce que l'énergie de Marie, lorsqu'elle s'est réveillée cet après-midi... est en rapport avec Ikenu, parce que je le ressentais très puissamment dans la deuxième phase. Est en rapport avec Ikenu, car j'ai ressenti très, très fort dans la deuxième phase au niveau des étoiles de la tête. Marie, elle est où? Au centre. C'est-à-dire R. Non pas Is, qui est Isis, et Im, qui est Michael, dans la fonction, mais pas dans l'entité. Donc Marie, reine du ciel et de la terre, est la maître des éthers, en tant que généticienne, en tant que mère créatrice, et mère dans le sens le plus noble. Le réveil de Marie n'est rien d'autre pour vous que le réveil de sa présence en l'éther primordial, en ce monde. Bien sûr, vous vous doutez bien que le moment de son réveil à elle, pas elle en vous, mais elle toute seule, comme vous tous, est essentiel. Puisque c'est cela qui déclenche l'événement. À l'instant où Marie acceptera le poids, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est d'abord un poids, avant d'être la joie, dans le même temps. Cet acte-là se réalisera, vous vous en doutez, a priori, dans peu de jours. Mais de toute façon, même si elle dort encore un peu, nous allons en profiter largement pour amplifier le processus, l'amortir encore plus, afin que la joie... à elle seule, mettre fin à la souffrance, à la perte, à la brûlure. Je vous l'ai dit, le déroulement de ce qui se produit en vous est parfaitement orchestré. Rien, absolument rien, ne peut être laissé au hasard ou à l'oubli dans l'intelligence de la lumière. Et dans cette phase de réveil de Marie et dans cette phase de résurrection, à un moment donné, l'ensemble des enfants de la terre ayant pris chair en ce monde, à un moment donné, seront en reliance directe avec Marie, ici et là-haut. Qui veut encore prendre la parole, si nous en avons le temps? Oui. Juste une petite chose sur le silence. Juste une petite chose sur le silence. Ce matin, je suis allé sur le lieu où se tiennent les dragons. Me tenant contre l'arbre maître et réalisant une fusion avec lui. J'ai perçu en silence, j'unis la terre et le ciel. Sois dans le silence et tu uniras le trois en un. C'est la stricte vérité. Et tu l'as vécu. L'élément silence, vous le savez, est ce qui magnifie l'accueil. Parce que vous vous prouvez à vous-même dans ce silence que vous êtes disponible et que cela ne peut se produire que dans le silence, à un moment donné. Et je vous invite dorénavant à titre individuel
à ne pas hésiter à aller secouer Marie en l'amenant dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de connaître sa forme, puisque sa présence en tant que conscience s'est réalisée depuis tout à l'heure. Et certains même avaient devancé la chose et commencé à la voir réveillée déjà depuis plus d'une semaine. Mais c'était sur le plan archétypiel, là maintenant, c'est en interaction ici. Donc plus vous serez nombreux à l'aimer, à la mettre en vous, comme le Christ, comme moi. Vous n'avez pas besoin de connaître l'aspect physique de l'époque ou d'aujourd'hui. C'est la même chose avec l'acolyte, et je l'ai dit, c'est la même chose pour tous ceux d'entre vous qui finalisent leur résurrection. Et dès que vous serez nombreux, ou un seul, à réussir à absorber le monde dans votre cœur, plus l'appel se rapproche. Et vous savez pertinemment, ici ou ailleurs, que vous êtes de plus en plus nombreux à finaliser votre résurrection. Il vous incombe alors, comme tu l'as dit, de faire le silence. Et dans les moments où votre cœur se manifeste, soit lors des moments collectifs, soit tout seul comme un grand, soit par l'intelligence de la lumière, de faciliter la résurrection de Marie. Et rappelez-vous, c'est la dernière, parce qu'elle était la première. Et tous les ressuscités qui ont vécu l'évidence de la conscience nue, que cela soit dans ce corps, à travers ce corps ou ailleurs, ne changent rien. Il faut que Marie ôte ses poids et recouvre totalement son manteau, qui vous recouvre déjà. Le délai, je vous l'ai dit, le plus adéquat est de 48 heures. Mais de toute façon, comme d'habitude, c'est acté au plus haut des cieux, et comme d'habitude, il reste à l'acter en totalité ici où vous êtes. C'est là où votre simple présence, même en silence, sans rien voir, réalise la demande faite à Marie, non pas son appel, mais je dirais la réconciliation de tous, la réconciliation de ce qui a été nommé tous ses enfants sur ce monde. Avons-nous d'autres témoignages? Nous arrivons au terme du temps, mais il y a un témoignage. Alors encore un. Avant que notre frère témoigne sur le silence, j'ai accueilli Marie dans mon cœur. Donc j'accueille celle qui est Marie, qui incarne Marie. Donc j'accueille celle qui est Marie, qui incarne Marie. Et mon cœur s'est mis à battre très fort tout d'un coup, et le point R et la petite couronne. Et mon cœur s'est mis à battre très fort tout d'un coup, et le point R et la petite couronne. Et je tremble. Et je tremble de tout mon corps. Marie, reine du ciel et de la terre, entre le cœur du cœur et au point R de la tête et de la petite couronne, réalise votre couronnement. Vous avez été oint par le Seigneur. Vous avez été transpercé par l'éclair, soit Bini, soit Bibi, soit tout être de lumière, l'éclair et la rose se déploient. La majesté de Marie
se réveille et tu illustres à la perfection ce que je viens de dire. Parce que dès que tu vis cela, la Marie qui se réveille, j'aime bien l'expression la Marie, excusez-moi, c'est vexé. Bon, la Marie qui n'est pas celle de l'expression populaire, oui, mais la vraie, elle le sent. Même si elle n'en comprend pas encore ou n'accepte pas en tout cas les tenants et les aboutissants, plus vous allez frapper à sa porte, et moins elle pourra faire autrement. Faut bien finir l'histoire un jour. Mais je te remercie. Alors il est temps maintenant de cesser de parler pour moi. Je vous dis peut-être, pour beaucoup, moi ou l'acolyte, dans la fusion en éternité de 20h30, qui sera remplacée dès demain par le réveil de Marie, par une fusion en amour nu. Et n'oubliez pas d'aller frapper à la porte de Marie dans tous les rendez-vous que vous aurez maintenant. On va le faire. D'accord ? Oui, on va le faire. Et moi aussi, je vais aller la titiller un peu. Alors, Bidi vous salue, Bidi vous aime au-delà de tout, au-delà de vous, et je suis chacun de vous. Merci. À bientôt et à toujours. Merci. 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 Gratitude. Voilà.